Ouais, c'est des tueurs les camions là aux États-Unis. On est des machines nous là. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Oh! Welcome back to a new video on my YouTube channel. My name is Hemkolo. We are going to play again to American Truck Simulator. How are you today? I'm fine, thank you. Ah oui, elle est un petit peu longue l'intro. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, I'm fine, and you? Ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator pour bien commencer le week-end. On va se faire un petit plaisir, voilà, ça fait du bien de retourner un peu sur American Truck Simulator. Je rappelle que j'ai 10 000 $, ce qui est absolument pas grand-chose. Mon entreprise qui s'appelle... J'avais oublié que j'avais appelé ça Buffalo Grill. Oh le pire. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds pour cette vidéo. Et moi ce que je vous propose directement, c'est qu'on fasse marché du travail, mission rapide. Et on se lance une petite mission. Oh Arizona, alors on peut pas commencer de n'importe où hein. Je sais pas pourquoi j'avais pensé qu'on pouvait commencer de n'importe où. On avait déjà vu San Francisco, Santa... Enfin moi j'ai déjà vu San Francisco. Mais en vrai je crois qu'on l'a pas fait en vidéo. Alors attendez, on va faire un tour à San Francisco pour aller... Oh ben voilà, on va aller dans le Nevada à Reno. Eh ben c'est parti, on va accessoires domestiques. Donc ça peut être des sex toys, ça peut être beaucoup de choses finalement, des accessoires domestiques. Allez c'est parti, on va aller dans le Nevada, ça va être magnifique. Et j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu sur la vidéo. Alors oui c'est vrai que ça marche comme ça. Ok ça marche, ok très bien. Alors attendez, bougez pas, c'est à dire que là si je dis pas de bêtises alors il y a rien qui fonctionne puisque rien n'est configuré comme il le faut. Pourquoi je peux pas tourner ma vue? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Alors attendez, il y a des paramètres qui ont sauté mon pote. Est-ce que là maintenant ça fonctionne? Ah, fantastique. Fantastique, fantastique. America, fuck yeah. Allez, oh là ça tourne dans tous les sens. Eh ben on est parti les amis, on a nos accessoires domestiques. C'est incroyable. C'est incroyable, on met les lumières. Oh c'est beau, oh c'est beau. Oh, c'est vrai que c'est pas pareil hein. C'est vrai que c'est pas pareil. Ok. Faut quand même vachement bien tourner la tête hein. Attendez, ça ne me plaît pas du tout. Ah parfait, là c'est très bien. Allez, on est parti mon kiki. Elle est où la sortie? Elle est à droite. J'imagine, oui, elle est là-bas. Eh ben on est parti. Oh ça va être sympa. Ça m'avait déjà manqué. Oh là là, bienvenue Donc là on est à San Francisco hein. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Évidemment, on a un petit stop. Alors, on marque le stop. Hop. Oh putain, c'est pas le même freinage. Oh, regardez, les clignots, ils sont trop stylés. Alors, à gauche, bah, y'a rien. À droite, je vois rien. Allez, on y va comme ça, les gars. Oh putain, on voit rien, mais y'a pas de lumière dans cette ville ou quoi? Oh là là, c'est stylé. Oh. Ok, limité à 30 miles par heure, bien évidemment. On profite du feu qui est vert. Bah non, 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 le feu est toujours vert en fait, je vois pas de quoi vous parlez. Hop, voilà. Oh, c'est super stylé. Oh, c'est magnifique. Pourquoi j'ai l'impression vraiment... Ah, j'aurais dû rester à droite. Pourquoi j'ai vraiment l'impression, les gars... Oh, la police. Pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus joli, même sur American Truck, même au niveau des graphismes. Alors, c'est peut-être dans ma tête, hein. J'ai vraiment l'impression que même niveau graphisme, c'est plus joli. Genre déjà de base les routes elles sont plus fat, il y a tout qui est plus fat. Incroyable. Putain en plus tous les feux ils sont verts alors ça c'est magnifique. Évidemment je passe toujours quand le feu est de la merde. Allez hop et là on va se mettre à droite. Et là on est vraiment pas mal. Et là les gens ils vont dire que je roule mieux sur American Truck. Regardez la grue, elle est belle. Allez on est là, on découvre un petit peu. C'est vrai que vous voyez hein, la route n'est pas jaune ici encore. Donc là je découvre ici, on n'a jamais passé par là. En tout cas on voit les petits buildings à gauche. Ah bah non vous voyez pas, il y a ma tête. Je suis le pire. Regardez, vous voyez les buildings. Voilà, oula, faudrait que je regarde la route aussi. Hop. Voilà, on regarde à gauche pour vérifier que personne nous coupe la priorité. Et on se cale tranquillement derrière ce petit camion des familles. Hop. Ça c'est carré, since 1809. Ouais ouais bref 1848 quoi, tu m'as compris. Voilà. Qu'est-ce qu'il regarde monsieur là? Vous regardez la porte d'entrée? Ouais bah c'est fermé en fait, c'est la nuit donc ça sert à rien d'attendre ici. Pourquoi vous attendez Shakira ou quoi? Alors on va pouvoir se caler
à notre gauche, la voiture derrière, elle va pas me casser les couilles. Hein. C'est, je veux dire, je suis poids lourd, on est aux États-Unis, c'est moi qui est prioritaire. Je fais encore ce que je veux. Voilà. Hop, et on est carré. Et en plus, le feu. Non, mais ça, c'est fantastique, ce jeu est incroyable. Bonjour, messieurs, dames. Voilà. On tourne, ça passe crème, on prend bien large comme il faut. Oula, 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 j'avais pas vu devant. Oh, un McDonald's. C'est pas du tout un McDonald's. C'est censé être quoi, le M? Ah, mais oui, je suis bête. En fait, j'ai oublié, c'est une de mes industries, M-Colo Corporation. Ça, c'est un de mes studios de tournage vidéo donc, qui est implanté donc, directement en fait, à San Francisco. J'en ai un peu partout, donc j'en ai en France, en Alsace et tout. Là, je suis actuellement dans un de mes studios. Et en fait, il y en a un à San Francisco, donc là, M-Colo, ils l'ont même donc, représenté sur American Truck Simulator, parce que du coup, on a fait un partenariat. J'ai aussi... mes industries qui sont implantées à Los Angeles. Bon, ça coûte un peu plus cher par contre, du coup vous doutez bien, Los Angeles, et c'est pas trop rentable. Donc par exemple, en fait, il y a par exemple ah, j'ai oublié comment elle s'appelle, parce que j'ai plein de partenaires et tout. Merde, comment elle s'appelle? Je voulais dire une connerie, mais du coup je l'ai plus en tête là. C'est qui? Pokimane. Ouais, Pokimane, elle travaille dans mon industrie, M-Colo Corporation en fait. La villa dans laquelle elle habite, en fait, c'est vraiment une de mes villas. Et puis voilà, enfin bref, la YouTube monnaie, ça rapporte gros, hein, je pense que vous l'aurez compris. Je suis absolument pas encore dans ma chambre. Donc voilà, ça fait plaisir. Là, il va falloir que je m'insère à gauche. Bonjour la police, regardez, nous on est sages. Voilà, nous on est sages, on passe au vert. Et hop, là, on va bloquer toute la circulation, mon pote. Voilà, tu peux commencer à avancer. Regarde, t'as vu, il n'y a plus de voiture. Tu peux commencer à avancer, je t'ai dit. Ah, peut-être un peu trop peu confiante, hein, le véhicule, hein, bien évidemment, hein. Par contre, on notera que on voit beaucoup de voitures de police, hein, si je puis me permettre. Hein. Ça, c'est vraiment les États-Unis. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est très représentatif. Ah mais c'est super joli, c'est super sympa, quoi. Ah, je kiffe. Alors forcément, le volant il vibre dans tous les sens parce que j'ai pas réglé comme sur Euro Truck. Vous l'aurez compris. T'as du mal là. Hein. C'est ce que je me disais, ouais. Je me disais qu'il avait du mal. Forcément, ça monte. On est sur une montée de type 45 degrés. À un moment donné, je rappelle qu'on transporte quand même des sextoys qui sont quand même d'un poids assez conséquent, puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a pour tout type de sexe, hein, globalement. Très chiant, il est très chiant le G27 quand il vibre comme ça. Je suis désolé pour vous. Regardez, un hélicoptère. Vous avez vu les louloucoptères? Je sais pas si vous l'avez vu ou s'il y avait ma caméra en plein dessus, mais il y avait un louloucoptère. Ah mais il faut mettre les pleins phares là. Hein. Ah mais passe la vitesse en fait. J'avais pas compris. Ah là, c'est incroyable. Là, on passe sur le pont de San Francisco, hein, bien connu et bien réputé. C'est absolument pas ça. Hein. Mais super sympa. Alors là, c'est limité à 50 miles par heure. Là, on est à 45, donc c'est tranquille. Voilà, il y a de la marge. Et là, on va pouvoir claquer notre régulateur maintenant. Voilà. Là, on est pas mal. Hein. Là, on est pas mal, Tintin. Bah, j'espère que ça vous plaît. Une petite vidéo comme ça, détente sur American Truck. Vous avez vu, en plus, on se prend beaucoup moins la tête. Et c'est sympathique, hein, quand même, on va pas se mentir là. Oh, c'est la route 80, je connais bien, ouais, ouais. Ouais, ouais, vous la connaissez aussi, vous, la route 80. Bah oui, bah c'est la route tout simplement pour aller au Nevada, bah c'est bien connu, c'est classique. Hein. Par contre, très stylé les lumières. Vraiment, j'aime beaucoup ces lumières. Je veux les même dans mon jardin. Super sympa, on dirait un petit peu des lumières de stade de foot, hein, quand même. Hein. Mais ça me plaît beaucoup. Hein. Ah, ça donne envie de rejouer à GTA là, quand même. Hein. D'accord, alors là il se passe des choses là, je vais ralentir parce que je comprends rien. East Oakland ou Sacramento, je sais pas où je dois aller. Allô? Ah, va falloir que je décale à gauche apparemment. Très bien. Vous remarquerez que là les rétroviseurs ils sont pas chiants à regarder. Oh non! Oh bah ça alors! Ah bah évidemment! Oh c'est super stylé, regardez, c'est comme sur GTA. Ah ouais, putain, eh. Vous pensez ils vont me laisser passer? Ouais, ça passera jamais de la vie. Hein. On va faire un détour, c'est pas grave. Vas-y, on va faire un détour, ça passera jamais. Ah non, moi je le sens. Bah ça va, le détour en plus, c'est pas grand chose. Ah oui, regardez le détour qu'il faut faire. Y a rien à faire en fait, c'est bon. Eh, sur Euro Truck, ils nous auraient fait faire un détour du turfu, mon pote. Ouais, je disais, les rétros, ils sont pas chiants à regarder. Parce que forcément, bah, je vous avais dit sur les camions américains, en tout cas sur American Truck Simulator, les rétros, ils sont super loin à regarder. Enfin, celui de droite, il faut quand même aller le chercher. Mais celui de gauche, il était chiant à regarder. Mais du coup, avec le track de la tête, c'est super pratique. Donc, venez même pas dire que c'est chiant. Il n'y a rien de plus sympa que le track
De la tête, par contre, voilà, je resserre mon levier de vitesse. Alors, vous savez, c'est un camion américain, donc c'est un petit peu gadget. Alors, attendez, c'est bon, je peux y aller là? À un moment donné, moi je m'engage. Hein. À un moment donné, on me donne le feu vert, on va pas parler chinois 30 ans. Voilà, et là on repart de nouveau à gauche. C'est nickel, c'est carré. The birdie, hop là, on tourne, on prend très très large. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est parce qu'il faut quand même faire de la place au sextoy derrière. Hein. Ah, on... Eh, il va se calmer le motard là qui vient de passer derrière là, s'il vous plaît. Oui, parce que je fais ma vidéo à la fenêtre ouverte, hein. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors attendez, parce que là il va y avoir un couac. Hein. Non, c'est bon, ça passe. Très bien. Ah putain, ça c'est du professionnalisme de conduite, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah bah prenez-en de la graine. Hein. Ah bah les gars, moi je vous emmène aux États-Unis quand vous voulez. Hein. Ah bah je connais les States comme ma poche. Hein. Ah je. Ah ouais, moi je connais toutes les petites subtilités de ce pays, du moins de cet état, l'état de bien sûr de l'état, les états qui sont à l'ouest, hein, bien évidemment. Voilà. Et puis voilà. Hein. Donc là on va sur San Rafael, hein, bien évidemment, Raphaël notre ami. Hop, on peut mettre un petit peu les pleins phares parce qu'on voit pas grand chose. La voiture elle peine à nous rattraper parce qu'on est déjà en excès de vitesse, mais on est un peu des petits thugs. Hein. Vous savez, moi, je veux dire, j'ai aucune limite. Avec les forces de l'ordre ne me font pas peur. Déjà, je suis blanc, donc j'ai aucun problème à me faire. Voilà, c'est un petit pic que je viens de faire. Hein. C'est cadeau, ça fait plaisir. Vive les States. Ah bah, il y a un nouveau président maintenant, alors tout va aller mieux. Hein. LOL. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va, les gars, ou quoi? Non, mais bon. Le mec, il balance des pics comme ça, alors qu'il n'y a aucun Américain qui va regarder cette vidéo, en plus. Puis... Dans tous les cas, c'est pas aux Américains que ça s'adresse, ce que je viens de faire. Donc voilà. Allez. Et là, on se rabat tranquillement. C'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa, c'est chill. Là, t'as envie de te mettre une petite radio de type Buffalo Grill. Là, on va aller au Nevada. Eh, on va aller à la zone 51, ça vous va ou pas? Ah, on pourrait peut-être aller voir s'il y a la zone 51 sur American Truck. Chose qui m'étonnerait. Ce serait drôle. Bah, j'imagine qu'il y a la route emblématique. À moins que ce soit. Ah, bah, à tous les coups, ça doit être un DLC. Vous savez, la route emblématique, la longue route de la mort, j'ai envie de dire. Bah, je suis sûr qu'il faut acheter un DLC pour l'avoir, c'est obligé. Ah, tout ce qu'on peut faire pour avoir des thunes, à mon avis, ils ont tout misé dedans. Obligé. Ah, on connaît bien, on connaît bien. Et nous, on continue sur Sacramento, c'est ça? Non, regardez, moi je suis le camion de l'extrême, je double tout le monde. Ah, je n'en ai rien à foutre. Ah ouais, jusqu'à ce que je vois une voiture de police. Et alors là, mon pote, ça c'est peut-être une voiture banalisée, ça. Hein. Pas très attention. Hein. Voilà. Ah oui, c'était chaud, là. Voilà. Et nous, on roule trop bien, les gars. Oh, je suis à fond, là. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ça va être très chiant. Ah, c'est la vidéo du week-end, alors on se fait des petits plaisirs. Et là, il va falloir que je sorte après. Enfin, en tout cas, il faudra que je me cale à droite. Donc, on va pas louper. Voilà. Ah non, mais c'est juste pour se remettre sur la voie de droite. Voilà. Hop. Ah bah, tu vois, faut que je reste au milieu. C'était bien la peine de se mettre à droite. Bah oui, à droite, c'est Los Angeles. Oh, trop classe, on aurait pu aller à Los Angeles. Eh ben non, nous, on va dans le Nevada, mon pote. Et je suis à combien de miles par heure, là? 86 miles par heure, donc je ne sais pas combien ça fait en kilomètres heure. Tout ce que je sais, c'est que je suis largement au-dessus de la vitesse autorisée par l'État, évidemment. C'est incroyable. Ça, c'est une voiture de police, hein. Pas du tout. On aurait pu y croire, hein. Ah, on aurait pu y croire, hein. Hop, là, je me rabats à droite, hein. De toute façon, la vitesse où... À la vitesse où je vais, j'ai même pas besoin de regarder le rétroviseur. Personne ne peut me rattraper, même pas la police avec leur bolide. Je veux dire, je vais à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Lui, il va à gauche. Ah, parce qu'il faut se... D'accord. Bah, écoutez, les gars, hop, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Ah, c'est super sympa. J'aime beaucoup trop. En fait, c'est bien pour pas se prendre la tête et pour découvrir des nouveaux horizons. Parce que c'est vrai que c'est... Ça change complètement... Enfin, en tout cas, c'est vraiment dépaysant pour le coup, hein. Et je pensais pas, mais en commentaire, quand vous me disiez... je vous rappelle à l'époque, il y a pas si longtemps... que je, dans la vidéo Euro Truck, je disais ouais, ça vous intéresserait que ce serait intéressant que je découvre American Truck, et vous étiez en masse en train de dire ouais mec, ça va te dépayser, ça n'a rien à voir avec, est-ce que je peux regarder le rétroviseur, enculé de ta race, pardon, excuse-moi. Et en fait oui, c'est carrément dépaysant, et franchement je pensais pas à ce point. Ah, j'aurais pas dû rétrograder. Alors moi, tu sais, j'y comprends rien, moi, avec les vitesses des camions des fois. Regardez comment c'est beau le ciel, oh là là, le paysage et tout, la montagne et tout, c'est le Mont Chiliad. Oh là là, on voit le Mont Chiliad.
C'est incroyable. Bon bah c'est toujours limité à 55, mais moi je suis toujours en train de faire un petit peu mon petit tuc life. Hop, les petits gâteaux apéro, bien évidemment, vous l'aurez compris. Ça monte, ça descend, on est vraiment à la montagne. Et autant te dire que les camions, ils aiment pas trop ça. Ah bah putain, les sextoys, ils sont lourds, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Oui, parce que quand je dis sextoy, vous savez pas, il y a quoi comme sextoy. Vous savez juste que c'est des jouets, quoi. Des jouets de type un peu Peggy 18. Mais il y a de tout, hein. Dans cette remorque, il y a de tout et de rien. Hein. Vous pensez que si je mets en titre de vidéo « Je transporte des sextoys », ça ferait un peu trop putaclic. Et en plus, j'aurais même pas ma vidéo monétisée. Alors, je peux pas faire cette blague. On verra ce que je mettrai comme titre. En tout cas, c'est super sympa. Et on va dans le Nevada. Vous savez, ce qui manquerait, c'est qu'il y ait des animaux qui traversent la route. Là, ce serait excellent. Ça, ce serait vraiment juste excellent. J'en demande peut-être un petit peu trop. Je suis un peu gourmand, vous savez. J'aime beaucoup les tablettes au chocolat au lait. J'adore dire des trucs qui n'ont aucun rapport... de vitesse, donc voilà, ça me fait plaisir, je suis très excité aujourd'hui, hein. Ah, je suis très excité, hein. C'est pareil, si je mets ça en titre de vidéo, je vais pas être monétisé, si je suis très excité, les gars, si vous saviez, YouTube, ils arrêtent pas de me démonétiser mes vidéos, tu sais même pas pourquoi, des fois, des vidéos, je suis même pas vulgaire, je sais, c'est assez rare, mais je suis même pas vulgaire, y a rien de, voilà, mes vidéos sont démonétisées parce que je suis dans une blacklist. Tu vois, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui voient, c'est comme Hit The Road. Hit The Road, ils sont, comme ils le disent, bon, ça m'empêche pas d'avoir des pubs en début de leur vidéo, mais enfin, ils sont soi-disant sur une blacklist, parce que YouTube ne cherche même plus à comprendre. YouTube sait qu'ils font des trucs dangereux, donc on va bloquer leur chaîne, quoi qu'il arrive, on les monétisera pas. Et ben moi, j'ai l'impression que je suis aussi dans une blacklist. Alors si, j'ai des vidéos monétisées, hein, mais putain frère, faut que je fasse attention, parce qu'à tout moment, je suis démonétisé pour je ne sais pas quelle raison. Enfin, c'est quand même vachement incroyable. Allez, mon pote. Allez, par contre, faut que t'accélères, toi, devant. Hein. Allez, accélère, là. Klaxon. J'ai pas ton temps, là. Ah, putain. Ah, je vais lui rentrer dedans. Hein. Ah, c'est ça, hein. America. Ah, le camion fou, quoi. Allez, allez. Rabats-toi. Rabats-toi. Je fais le malin, mais je vais lui rentrer dedans. Hein. Tu te rabats quand tu veux, hein. Ah, il se rabat même pas. Ah, quand même, petite salope. Pardon, oh là là, excusez-moi. Hein? Ah, c'est des tueurs les camions là aux États-Unis. On est des machines nous là. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Oh! Oh, what the fuck! Ah, bah oui, d'accord. Alors, ça, quel plaisir. Alors, attendez les gars, parce que ça va partir sur une miniature de vidéo. Ah, je vous le dis. Oh, je suis mort de rire. Et là, on fait comment dans cette situation? Attendez, on peut se débrouiller, je pense. Regardez, on va faire ça comme ça. On braque à fond et on accélère. Bon. Bah, manifestement, on va appeler une ambulance. Hein. Non, on va appeler le service de remorquage. On est reparti, on est à Truckee. J'espère que c'est pas trop loin. Oh, bah, ça va, on est arrivé. On est bientôt arrivé. Alors, à gauche. C'est bon? À droite? Et bon, oh putain, c'est quoi cette remorque du turfu qu'il a, le mec? Incroyable. Eh, mais attendez, je viens de capter un truc. Moi aussi, ma remorque, elle est gigantesque. Ouah, j'ai même pas capté, ma remorque, elle est gigantesque, en fait. Eh, j'avais pas capté, les gars. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Ma remorque, elle est gigantesque, les gars. J'ai même pas capté. Donc, c'est-à-dire que, vraiment, je pourrais mettre tous les titres que je voudrais... Mais je me ferais démonétiser. Parce que là, je pourrais dire ma remorque est très longue. Ma remorque est très grosse. Donc en fait, j'ai bien raison de prendre large depuis tout à l'heure. Mais je pourrais très bien dire j'ai une très grosse queue. Bah oui, la queue du camion, ce serait la remorque à ce moment-là. Putain, mais c'est fantastique comment je suis badass. Et ça, sur Euro Truck, pour avoir ça, faut que tu payes des DLC. Bon, après, je pense que c'est quand même moins anodin de voir ça en France. Alors qu'aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus anodin. Puisque de toute façon vous savez que leur supermarché c'est même pas des supermarchés, c'est des extras, c'est des hypermarchés si tu veux. Ils ont tout fois 1000. Mais c'est pas vrai. Et comment ça je paye un accident? Gros, c'est lui qui m'a rentré dedans déjà. Ah, oh, mais putain. Ah, oh, mais sans déconner les gars. En fait je crois que je me suis viandé au même endroit, on dirait. C'est stylé cette vue. Venez, on essaie de rouler comme ça tout le temps.
Nouveau challenge. C'est super sympa. Enfin, c'est super compliqué aussi, oui. Ok, oula. Ah là là, j'en ai marre. Ah bah ouais, regardez, c'était là que ma ligne jaune s'est arrêtée. Donc je suis sûr que c'était là qu'on était déjà en fait. Je suis sûr qu'on était déjà là. Et c'est, on s'est juste viandé au même endroit, mais c'est pas possible. Il y a un mur invisible, hein. C'est obligé, hein. Ah, j'en suis sûr. Ah là, c'est limité à 65. Tiens, là, ils ont augmenté leur vitesse, tu vois. C'est là qu'il y a le plus d'accidents, mais ils augmentent quand même leur vitesse. C'est incroyable. Oh là là, regardez-moi ce virage professionnel, les gars, que je suis en train de vous proposer. C'est un gameplay comme vous n'en aurez jamais vu ailleurs. Hein. Ah, je vous le dis. C'est difficile de voir ça ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai une longue remorque, hein, faut pas oublier ça. Je viens de découvrir, Renault. On parle pas du chanteur ni de la marque. On parle bel et bien de la ville. De Renault. Ou de Renault, c'est comme vous voulez. Moi, dans tous les cas, je suis dans la merde. Donc là, il faut sortir ici, manifestement. Voilà. Hein. Tout s'est bien passé. Tout était très très bien calculé, d'ailleurs. Une anticipation complètement anticipée. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Donc là, je prends à droite pour aller à Carson City. Voilà. On est très bien comme ça, là. On va allonger l'autre périphérique en parallèle. Mais par contre, on va rester sur la voie de droite, j'imagine. C'est ça. Et là, on sort. Oh, c'est super sympa. J'aime trop. Et là, on va à gauche. Et ouais, on reconnaît bien le Nevada. Tu sais, derrière les montagnes, il y a la zone 51, là. C'est nickel. Par contre, il y a un feu rouge, là. Wow. C'est chaud de night, hein. Bon, du coup, je suis sur deux voies. Hein. Actuellement, je suis à la fois sur la voie de droite et à la fois sur la voie de gauche. Alors, du coup, je me suis mis dans la merde. Parce qu'en fait, les gars, j'aimerais tourner. Non, mais faut arrêter de se foutre de ma gueule à un moment donné. Voilà, je suis obligé. Allez, je rappelle, j'ai une grande queue. Hein. Donc, attention tout de même. On va rester sur la voie de gauche. Hein, parce que je suis un petit peu. Un petit fifou. Hop, bam bam. Avance là devant. Voilà. Allez, bonne tour. Regardez-moi ce petit bus de merde à côté. Excusez-moi, je le trouve très moche. Pas ouf, hein. Pas ouf, en plus il a aucune accélération. Même moi j'ai plus d'accélération que lui, mais c'est quoi ça? C'est la honte. Eh, la honte. Ah oui, mais j'ai oublié de passer un rapport. Ah bah du coup il me double. Ah, la honte. Bah, je crois que j'ai fait de la merde avec mon levier de vitesse. Ah bah je le redouble, eh, la honte. Ah mais parce que je suis au-dessus de la limitation aussi. Eh, la honte. Bref. Ça va les gars, quoi. En tout cas on est arrivé, et ça fait plaisir. Oh! Ils sont où les keufs là que je vous. Que je vous. Hein? Ah, ils étaient derrière moi les petits salauds, hein. Toujours là où il faut pas, hein. Et là, on tourne à droite. Je ne sais pas quand, mais c'est pas maintenant, c'est après au feu. Et on passe. Et en effet, ils tournent à droite même quand ils ont le feu rouge. Hein. Et là, on tourne encore une fois à droite avec ma grande queue. Et hop le... Putain, t'imagines, tu vois un livreur arriver comme ça là, comme ce que je viens de faire. Putain, si ça c'est pas la classe. Franchement, tu dis ouais, le mec il est quand même assez badass. Là, il y a une manœuvre à faire, mais super facile. Pas du tout, arrête, c'est une grande remorque en plus que j'ai. Hein. On va se contenter de ça. Même ça, ça va être compliqué. Tu sais. Allez. Ça va déjà être compliqué parce qu'il faut faire passer la remorque. Voilà. Et manifestement, la remorque vient de taper. Voilà, voilà. Actuellement, on est en train de taper dans tous les sens. J'ai quand même réussi, je ne sais pas comment. Fallait mieux pas regarder dans le rétro ce qui s'est passé, très sincèrement, les amis. En tout cas, voilà, c'est fait, c'est satisfaisant. C'est pas excellent, c'est pas... Non, c'est satisfaisant, voilà. On a des pénalités de dégâts, etc, etc. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On va s'attribuer marchandises de grande valeur. Et puis voilà, regardez, j'ai reçu un email. Mais c'est la même chose que Euro Truck. Excusez-moi, faut que je fasse une coupure, je suis fatigué. Donc on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like et le petit like couné, le petit bleuté. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Euro Truck, sur American Truck, sur Indiana Truck et non pas sur Indiana Jones. C'était MKolo, je vous fais plein de bisous, de loin évidemment. Et puis voilà, joyeux Noël, ciao tout le monde!